Bonjour mesdames et messieurs, merci de suivre ce journal dont voici les titres. Apparition de la maladie à virus Ebola en Ouganda, la division provinciale de la santé Antenne de Butembo alerte sur les 16 cas positifs et 58 contacts en risque répertoriés dans ce pays. Pour couper court à cette épidémie, la DPS Butembo appelle les services de contrôle des migrations à assurer une bonne surveillance aux entrées et sorties entre la RDC et l'Ouganda. Levé du couvre-feu en ville de Goma, la décision a été prise par le gouverneur du Nord Kivu ce lundi 26 septembre 2022. Une décision consécutive à la recommandation des membres du Conseil provincial de sécurité à l'issue de la réunion extraordinaire de sécurité. Toutefois, le reste de la province n'est pas concerné par cette décision. C'est tout pour le sommaire. Les détails dans quelques instants. Je l'ai dit, la division provinciale de la santé DPS Antenne de Butembo alerte sur les 16 cas positifs d'Ebola et 58 contacts à risque répertoriés en Ouganda dans les districts de Mubenda depuis l'apparition de la maladie jeudi 21 septembre dernier. La DPS Butembo appelle les services de contrôle des migrations à assurer une bonne surveillance aux entrées et sorties entre la RDC et l'Ouganda. Reportage d'Ingénie Moussiviroa et Nelly Mwenge-Siali rendu à cet élément. Au cours de ce point de presse, le communicateur Damien Louhavo a indiqué que le cas d'Ebola apparu en Ouganda dernièrement constitue un danger pour les provinces de la RDC, voisines de ces pays, dont le Nord Kivu, d'où la nécessité de l'intervention des autorités sanitaires congolaises et les gouvernants pour faire barrière aux éventuelles contaminations exportées. Faut bien surveiller les entrées et les sorties au niveau du pays et vers même à l'entrée ou à la sortie du pays. Donc c'est ici où on fait encore un appel vibrant à toutes les autorités, que ce soit politique, que ce soit sécuritaire, que ce soit sanitaire, de pouvoir organiser les lavages de mains, les suivis, les contrôles, la surveillance, renforcer la surveillance au niveau des frontières. Au niveau des frontières. Nous savons les deux zones de santé qui sont voisines de ce district de Mubende, c'est la zone de santé, notamment la zone de santé de Mutuanga, et où il y a les frontières de Kasindi, et la zone de santé de Kamango, où il y a les frontières qui est de Boudibujo vers Kamango là-bas. C'est là où les services de l'hygiène aux frontières doivent se mettre au travail. Pendant ces temps, les comptes à rebours avant la déclaration de la fin d'Ebola dans la zone de santé de Beni approche le 12e jour. Le communicateur de la division provinciale de la santé a précisé qu'il en reste 3 jours. Il appelle la population locale à demeurer vigilante face au risque de contamination. Nous sommes à J-3 de cette 15e épidémie. Et ce qui va suivre, c'est le suivi, le renforcement des mesures de surveillance. Et il y aura au moins encore un mois et demi, où on pourra continuer à suivre cette maladie. Donc, la période post-Ebola qui doit être mise en œuvre. Et ce que nous devons encore renforcer là-bas, c'est de pouvoir essayer de faire le suivi des guéris et aussi inviter de consommer des viandes de brousse, puisque c'est devenu comme une maladie qui est permanente dans cette contrée. À part Ebola, les autorités sanitaires ont appelé les habitants à ne pas baisser la garde face aux mesures de prévention contre la COVID-19 qui n'a pas dit son dernier mot. Des tubercules reconnus comme aliments de la coutume locale, entre autres des ignames, font une affaire pour l'économie des subsistances de nombreuses familles des Moussienene. Dans cette contrée du territoire des Loubéraux, plusieurs femmes paysannes nourrissent et scolarisent leurs enfants grâce aux revenus obtenus de la vente d'ignames. Suivez ce reportage de Mme Penzi Manzekele. Ici, c'est à Kiambwani, l'entrée de la collectivité de Moussienene, à provenance de la ville de Butembo, dans le territoire de Lubero. Les usagers de cette route, des classes sociales et des niveaux intellectuels confondus, ne manquent pas de s'arrêter ici pour acheter des ignames cuites et d'autres aliments qu'ils attribuent aux habitudes alimentaires de leurs ancêtres.
Ils reconnaissent à ces aliments de la coutume de nombreuses vertus pour la santé de l'organisme humain. Ce qui me motive d'être présent ici, c'est pour prendre de ces ignames qui purifient le rein. Nos grands-parents mangeaient cette nourriture et nous devons les emboîter pour vivre longtemps. Mais avec la nourriture actuelle, ne peut pas nous aider à vivre longtemps. Nous devons reprendre l'habitude de consommer les aliments de la coutume. Aline se sent fière de vendre ses ignames, non seulement parce qu'ils sont respectés dans la tradition locale, mais aussi pour la rentabilité dans son revenu de subsistance familiale. Les ignames bleus génèrent le sang, aussi apaisent la tension. Les ignames jaunes aident à donner l'intelligence. Ces métiers m'aident à faire nourrir ma famille, malgré que j'ai du mal à faire le projet. Cependant, ces ignames sont rares à obtenir pour ces paysannes. Les ignames proviennent de Katrolo, Amasumo, Kimbulu, Kibua, les endroits qui sont épais éloignés de notre contrée. Ces aliments traditionnels sont riches en nutriments, mais ils sont moins cultivés dans la région de Butembo, Beni et Lubero, ce qui les rend rares et précieux au goût de leurs consommateurs. La population du Nord Kivu est appelée à vaquer librement à ses activités quotidiennes. Appel lancé ce lundi 26 septembre par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba. Il l'a dit à l'issue d'une visite d'inspection dans quelques services étatiques de la place. C'était dans l'objectif de décourager les habitants à suivre l'appel de la société civile et des mouvements citoyens qui ont appelé à observer deux journées sans activité pour protester contre l'état des et l'occupation du 1-23 à Bunagana. Suivez ce reportage de la presse du gouvernorat. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a effectué ce lundi 26 septembre une ronde dans la ville de Goma. Il était question de se rendre compte de l'effectivité des agents dans différents services étatiques de la place. C'est par la direction provinciale de la SNEL que l'autorité provinciale a débuté sa tournée. Accueilli par le directeur et son personnel, tous fidèle au poste, le chef de l'exécutif provincial a demandé aux agents de ne pas céder aux manipulations en séchant le service. Peu après, le cortège du gouverneur s'est arrêté à la direction du fonds de promotion de l'industrie pour le même message. La Banque centrale du Congo a été aussi visitée par le numéro 1 de la province. Le directeur Yuma Bin Yuma a expliqué le déroulement du travail dans cette institution financière. Le même exercice a eu lieu à la DGDA. À l'étape de la régie des eaux, le gouverneur a félicité le directeur David Angoyo car son entreprise tourne et la population a besoin de l'eau. Cette visite d'inspection s'est poursuivie à la DGRAD, la CADECO, pourchutée par la mairie de Goma. Constant Ndima donne ici le sens de sa tournée. C'est un rapport avec le lancement par des groupes de pression et autres de la ville morte de ce jour. Les forces de défense et sécurité se sont mises au travail pour déjouer cette manifestation. La manifestation qui ne nous apporte que de deuil et de destruction des infrastructures. C'est donc nous ne pouvons pas accepter. Et quand nous regardons en profondeur dans ces structures de groupes de pression, ils n'ont même pas une personnalité juridique. Ildefonso Kambale, fonctionnaire à la mairie de Goma, s'est réjoui de cette visite de l'autorité. Je ne peux que le remercier, nous réconforter. Nous sommes arrivés au service. Nous tenons à ce que nous puissions faire respecter d'abord nous-mêmes les lois de la République et les faire respecter. Montrer à la face du monde que nous sommes respectueux de lois et nous ne pouvons pas nous fier à tout appel qui vient de n'importe qui. Le gouverneur appelle toute la population au calme et à vaquer librement à ses occupations et aussi se méfier des appels des manipulateurs.
Restons toujours à Goma. Le gouverneur du Nord Kivu vient d'élever les couvre-feux en ville de Goma. Cette décision est consécutive à la recommandation des membres du Conseil provincial de sécurité à l'issue de la réunion extraordinaire de sécurité tenue ce lundi 26 septembre 2022. Elle a été rendue publique ce lundi 26 septembre 2022 par le général des brigades Dani Yangba. Toutefois, selon cet arrêté, le reste de la province n'est pas concerné par cette décision. Suivez la lecture de l'arrêté dans ce propos recueilli par la cellule de communication du gouvernorat. Unité provinciale numéro 01-320-4-NK-2012 du 19 décembre 2021 portant mesures de sécurisation de la population pendant les fêtes de fin d'année en province du Nord Kivu, considérant les recommandations formulées par le membre du comité provincial de sécurité au cours de la réunion extraordinaire de sécurité élargie au commandant de la 3e zone de défense et le commandant corps de protection des parcs nationaux en sigle corps PPN, tenu à Goma en date du 26 septembre 2022. Vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Élever la mesure de couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de Goma. Article 2. Pour le reste de la province du Nord Kivu, les heures du couvre-feu sont maintenues jusqu'à nouvel ordre en attendant l'amélioration des conditions sécuritaires. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 4. Le directeur de cabinet du gouverneur de province, le conseiller principal ayant la sécurité et l'ordre public dans ses attributions, le commandant de la 34e région militaire, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commandant 33e groupement naval, le directeur provincial de l'Agence nationale de renseignement, le directeur provincial de la Direction générale de migration, les maires de villes ainsi que les administrateurs des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté provincial qui entre en vigueur à la date de sa signature. C'est à Goma, le 26 septembre 2022. Le conseil principal du gouverneur en charge du plan et de la reconstruction, Maître David Kamuha, a présidé une réunion à Goma ce lundi 26 septembre. C'était en prévision du programme de développement des 145 territoires en République démocratique du Congo. Ce programme sera bientôt lancé sur l'étendue de la province, a-t-il indiqué. Détail dans ce reportage du gouvernorat. Le programme de développement des 145 territoires de la RD Congo va démarrer d'ici à quelques matins en province du Nord Kivu. Une réunion dans ce sens a été présidée ce lundi 26 septembre 2022 à l'intention du chef d'antenne des BESECO et des agences locales d'exécution. Réunion tenue par le gouverneur militaire, représenté par son conseiller principal en charge du plan et reconstruction, David Kamuha Musubao. Les modalités de travail ont été fixées pour que les travaux qui seront exécutés soient bien faits. Monsieur Ngoy Boutila Camille, du comité de développement en RDC, précise que la première phase consistera à construire les infrastructures de santé et de l'éducation. Je suis Monsieur Ngoy Boutila Jean Camille. Je suis coordonnateur provincial de l'ALE CODEC, communauté de développement en RDC. Cette réunion a consisté sur la modalité de travail, sur la manière dont nous devons nous y prendre sur le terrain et du moins ça concernait aussi sur le lancement des activités, proprement dit sur la date, les lieux et la façon dont on va faire ce travail-là. Il s'agit de la construction des infrastructures sanitaires et éducationnelles.
sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Oui, dans le cadre du projet de développement local des 145 territoires, qui est un projet salutaire lancé par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ce qui vient d'être décidé, d'abord, on a arrêté une date pour qu'on puisse procéder au lancement officiel des activités. Et ensuite, on a exhorté aux ALE de mieux bien faire le travail pour que les résultats soient palpables sur le terrain. Les travaux qui seront exécutés sont des travaux de construction d'infrastructures, hein, parce que c'est le premier volet qui a été décidé par le ministère national du plan. On va commencer par la construction des écoles, et ensuite viendra des écoles et des centres de santé, et ensuite va venir le tour des autres infrastructures, donc bureaux de l'État, résidences des autorités, voilà, donc des ponts, des routes. Tout ça, c'est vraiment un projet salutaire pour la population que nous attendons tous vraiment. Revenons à Butembo, les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo, l'Institut supérieur de développement de l'Assomption, UAC ISDA, ont organisé une activité culturelle dénommée Bal des talents, samedi 24 septembre 2022. Différents talents des artistes étudiants se sont exprimés au cours de cette manifestation. La présidente du comité des étudiants a expliqué que ce rendez-vous visait à promouvoir les talents culturels et choisir ceux qui que représenteront l'UAC ISDA dans différentes compétitions et manifestations culturelles. Suivez ce reportage de Samy Wainda rendu par Gérard Mourefou. C'est ici, au cercle culturel Yura Merembe, où les étudiants de l'URC ISDA et leurs invités ont pris rendez-vous pour cette manifestation. Une occasion de voir plusieurs talents s'exprimer et se faire découvrir. C'est le directeur de cabinet du recteur qui a officiellement ouvert ses shows. C'est une nouvelle occasion aujourd'hui où nous allons découvrir alors les différents talents que nous avons à l'URC. Selon les programmes que nous avons lus, selon les informations que nous avons reçues, il s'agit d'un bal de talents. Ça signifie que, après avoir découvert que nous sommes nombreux du point de vue culturel à l'UAC depuis quelques temps, il est une bonne occasion aujourd'hui de découvrir également ce dont nous sommes capables. Que les meilleurs gagnent et belle ambiance à tous. Le chargé de la culture, au sein du comité des étudiants, ouvre la piste. Après la guerre, enfin te reposer la paix. Où est ton fusil? Où est ton arme? Non, 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 je n'en ai plus besoin. Où est ton fusil? Où est ton arme? Non, 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 je n'en ai plus besoin. Par la suite, les différents artistes se sont succédés au podium pour exposer leur talent au public à présence des jurys. Les équipes de danseurs, de poètes et autres artistes ont eu également droit à l'espace pour démontrer leur talent. Mwanze Konjeta, présidente des étudiants de l'IAC ISDA, compte élargir l'espace et les occasions de laisser les artistes et les étudiants exprimer leur talent. On peut dire que nous avons réussi cette manifestation à 75%. Donc, parce qu'il y a eu des absences, des artistes qui ne se sont pas présentés parce qu'ils sont en stage, et d'autres ont plus des motifs. Alors je pense que à 75% nous avons réussi. Convaincu. Personnellement, ils m'ont convaincu chacun avec son talent. Parce que la plupart des fois, dans les livres que j'ai toujours l'habitude de lire, on me dit que l'important des talents, ce n'est pas une bonne prestation que les jurys apprécient,
mais c'est le fait de s'amuser sur la scène. Et moi, c'est tout ce que je cherchais à partir des étudiants, c'est se amuser. À la fin de la manifestation, le conseil estudiantin a saisi cet espace pour remettre différents prix à l'équipe de sciences de développement, championne de la compétition de football et aux meilleurs joueurs du championnat, clôturé ce mois de septembre. En sport, trêve internationale de la FIFA, à la veille de son deuxième match amical, la RDC perd deux de ses cadres. Neskes Kebano et Shadrach Akolo sont forfaits pour la suite du stage qui se déroule au Maroc. Le staff technique des Léopards seniors en a informé les publics sportifs congolais et internationaux ce lundi 26 septembre. Ces deux quittent les rassemblements pour raison des blessures et à la demande de leurs clubs respectifs. Les joueurs internationaux Neskes Kebano et Shadrach Akolo évoluant respectivement à Fulham en Angleterre et à Segalen en Suisse sont remis à la disposition de leur club afin d'assurer la continuité de leur prise en charge médicale en club. La RDC affrontera ce mardi la Sierra Leone en amical. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.